Amateur d'art, passionné de culture, partenaire. Bonsoir et bienvenue aux ateliers Manéré qui accueillent la Biennale internationale des arts naïfs. Cette première édition, nous explorons le thème peindre pour résister. À travers le thème peindre pour résister, les artistes ont rivalisé de créativité pour nous offrir des œuvres qui nous parlent. Fidèle à sa nature, l'art naïf nous appelle à résister, à ne jamais abandonner. Les œuvres font une peinture de nos réalités, secouées certes par l'insécurité, mais qui donnent place au possible. Partant déjà de l'idée d'avoir une biennale pour consacrer aux arts naïfs, parce que à ce que je sache, après Haïti et après la Côte d'Ivoire qui n'organise plus, c'est vraiment le Burkina Faso qui réveille un peu les arts naïfs. À Ouagadougou et je découvre cette belle exposition et j'ai eu un coup de cœur pour cet artiste derrière moi, pour cette école sous paillotte comme on en rencontre des fois. Je m'appelle Kafando Kemi, j'ai 13 ans, je suis en 4e et j'ai acheté ce tableau parce que même que je le trouvais beau avec les reflets faits dans l'eau, le style de l'artiste, tout dans ce tableau j'aime bien. Très singulière et plate, les scènes de vie qui ont pris vraiment des toiles de très belles factures. Je trouve que c'est une exposition qui vient à point nommé pour nous permettre de comprendre ce que c'est que les arts naïfs, parce que je ne savais pas trop ce que c'était ou je n'avais pas une explication plus aboutie sur les arts naïfs. Merci là.